Yo tout le monde, c'est Fintech sur toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Ta vidéo c'est à lâcher un petit pouce bleu et bien sûr, le plus important, c'est de tous rentrer mon code créateur Fintech bleu dans la boutique Fortnite. Cela me fera vraiment super plaisir et bien sûr, bonne vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux sur Fortnite. Si tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, tu lâches un petit pouce bleu et bien sûr il va falloir commenter ton pseudo IP Games dans l'espace commentaire et bien sûr tu mets le code créateur Fintech bleu dans la boutique Fortnite. C'est pas obligé mais cela me fait vraiment super plaisir. C'était Fintech, allez ciao tout le monde. Salut tout le monde, c'est Fintech, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Comme vous avez vu aussi sur la miniature de la vidéo, on se retrouve encore une fois sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et je t'invite aussi à poser un petit pouce bleu, ça fait juste super plaisir. Et comme d'habitude, je t'invite aussi à te rendre dans la boutique Fortnite et de faire la case soutenir un créateur et de rentrer le code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Cela me fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu aussi sur la miniature de la vidéo, Fortnite distribue 1000 V-Bucks gratuitement certains joueurs qui possédaient le mode Tout le Monde. Alors c'est vraiment incroyable, Fortnite ont distribué plus de 1000 V-Bucks à certains joueurs qui possédaient, qu'ils ont acheté un lama à butin aléatoire. Alors c'est pour ça que je vais vous expliquer durant cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, ça fait juste super plaisir. Fortnite distribué des V-Bucks en réponse à un recours collectif contre les lootbox. Pour les joueurs qui savent pas c'est quoi un lootbox, en fait c'est simplement un box ou un lama pour les joueurs qui préfèrent. À ce moment c'est un, tu vas acheter avec de l'argent réel et tu vas obtenir un truc aléatoire, que ce soit un skin ou une arme, peu importe. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait un recours à Epic Games et tout ça, c'est vraiment une longue histoire. Tout vous dire, faisant face à un recours collectif aux États-Unis, Epic Games a décidé de distribuer de la monnaie virtuelle aux joueurs de Fortnite et de Rocket League qui ont acheté des caisses à butin aléatoire par le passé. Les deux titres proposaient des loot box avant qu'Epic Games adopte un système plus transparent permettant aux joueurs de savoir en avance ce qu'ils achètent, à savoir de la boutique d'objets et les lamas rayon X pour Fortnite et le système de plan pour Rocket League. Epic Games a adressé aux joueurs de Fortnite dans un communiqué que vous avez été fan à nom des lamas butin aléatoire du mode sauver le monde. Nous avons décidé de remettre 1000 V-Bucks à tous ceux qui ont acheté un lama sur le mode sauver le monde. C'est pour ça qu'Epic Games a décidé de remettre 1000 V-Bucks à tous les joueurs qui ont acheté un lama sur le mode sauver le monde. Alors si vous savez pas encore, vous allez vite vous connecter à Fortnite Battle Royale et vous récupérez vos 1000 V-Bucks gratuitement. Il y a même un petit message, du coup là je vous affiche le message que j'ai eu de la part d'Epic Games en me connectant aujourd'hui sur Fortnite Battle Royale. C'était Fintech, j'espère vraiment que cette petite vidéo pour vous mettre au courant que vous pouvez obtenir 1000 V-Bucks gratuitement sur Fortnite Battle Royale vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un petit pouce bleu. C'était Fintech, allez ciao tout le monde.